s'est rendu compte que le e-sport intéressait beaucoup de personnes, pas que les jeunes, mais aussi les grands, les moins jeunes. Et donc, nombreux de nos clubs sportifs du territoire ont souhaité développer des sections e-sport dans leurs clubs de sport. Et donc, nous les aidons financièrement à acheter du matériel pour qu'ils puissent faire venir un nouveau public dans leur club sportif, qui serait plutôt intéressé par le e-sport, mais qui ferait quand même aussi du sport, et aussi pour fidéliser leurs adhérents. On a un stand Just Dance du coup pour partager avec tout le monde la passion de Just Dance, et les scènes permettent aussi de faire monter des gens sur scène, d'être dans le partage, être dans la bienveillance avec tout le monde. Beaucoup de gens dansent au pied de la scène, ça met une grosse ambiance, beaucoup de gens regardent aussi, et je trouve que ça crée vraiment une unité en fait de personnes qui dansent et qui ont la même passion. Même pour ceux qui sont pas forcément sur Just Dance, juste le fait de partager quelque chose et de s'amuser ensemble, je trouve ça hyper cool. Le département, il est intervenu dans cette logique-là, c'est-à-dire de dire, puisque maintenant l'e-sport est reconnu, puisque maintenant c'est une activité qui va se répandre, autant qu'une collectivité, dont je rappelle que le département d'ailleurs a dans ses compétences les collèges, et donc la population qui peut être la plus concernée avec les lycéens par le jeu vidéo, s'est dit, il y a une opportunité au sein du Hero Festival à trouver un public pour faire passer des messages de prévention, on en parle beaucoup, de sport, de pratiques sportives et de compétition.